Israeli Mossad agents were living next door to Mohamed Atta. They knew very well what was about to happen. Antiwar.com has at least reported on a portion of the story. The case of the Israeli art students living next door to hijackers is infamous. But at least 61-page report from the U.S. government's drug enforcement agency revealed that another 120 Israelis posing as artists were also rounded up right after 9-1-1. Carrying counterfeit visas and green cards, did Middle Eastern-looking Israelis who were detained as suspects after 9-1-1 steal the identities of the accused Muslims? The leaked DEA report revealed that Israelis with Israeli military backgrounds had posed as artists and lived on Sheridan Street in Hollywood, Florida, just down the street from Mohamed Atta and three other accused Muslims. Toujours à propos d'Israël, mais concernant l'Afghanistan maintenant, cette affaire d'espionnage qui sème le trouble. Un réseau israélien a été démantelé aux États-Unis, notamment en Floride. L'une de ses missions aurait été de pister les hommes d'Al-Qaïda. C'était avant les attentats du 11 septembre. Certaines sources vont même plus loin. Elles indiquent que le Mossad n'aurait pas livré toutes les informations en sa possession aux États-Unis. Pour l'instant, le FBI s'en tient à un strict démenti. Démantèlement d'un réseau d'agents israéliens du Mossad opérant aux États-Unis. Exemple, 5 de ces Israéliens suspects ont été interpellés à Hollywood, en Floride. C'est en effet ici qu'ont vécu au moins 4 terroristes ayant participé au détournement des avions, dont Mohamed Atta. Question, les espions présumés du Mossad se trouvaient-ils là par hasard ou enquêtaient-ils sur les réseaux d'Al-Qaïda? La police fédérale américaine, le FBI, dément ce soir l'existence et donc le démantèlement d'un tel réseau.